La Révolution française a baptisé ce qu'elle a aboli. Elle l'a appelé l'Ancien Régime, et par là, elle a défini davantage ce qu'elle voulait être que ce qu'elle supprimait. Une rupture radicale avec le passé, inédite dans l'histoire des peuples, ce passé étant rejeté dans les ténèbres de la barbarie. L'Ancien Régime, c'est ce qui s'était mis en place sous Louis XIV, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et qui est déjà en crise dès la mort du grand roi en 1715. Louis XIV a été le roi soleil, le plus grand souverain de l'Europe, le monarque qui a porté au plus haut point la gloire du royaume de France, le symbole par excellence de ce qui va s'appeler le grand siècle, le sien. Sans être un homme exceptionnel, il a été un roi extraordinaire, tout entier à son métier et tout entier à l'incarnation de sa fonction. Sous son règne, le pouvoir royal a assis l'autorité publique et administrative de l'État moderne, en même temps qu'il se donnait à voir à tous ses sujets, comme le spectacle quasi divin de Versailles. Louis XIV a été à la fois le praticien et l'artiste de la monarchie absolue. Le rôle s'est perdu après lui. Commençons par le spectacle, si beau qu'il a ébloui toute l'Europe et charmé tout le siècle suivant. Après avoir vécu à Saint-Germain ou à Paris, au Louvre, aux Tuileries, Louis XIV s'est installé en 1682 à Versailles, qu'il est en train de transformer au prix de grands travaux. Il n'y avait à l'origine qu'un pavillon de chasse construit sous son père Louis XIII. En 1682 s'achève la grande aile du Midi, les écuries, les derniers grands travaux de Marly, et on commence à construire l'aile nord. Dans ce palais sublime, on manquera toujours de place, car il faut y loger avec le roi l'État et la foule. Louis XIV est à la fois la tête d'une bureaucratie moderne et le seigneur des seigneurs. Autour de lui s'est organisée une administration centralisée, notamment fiscale et militaire, en même temps que le balai protocolaire de ses vassaux transformés en courtisans. Tel est le double caractère de cette monarchie absolue, première forme de l'État moderne et dernier héritage des temps féodaux. Thank you.
À Versailles, il n'y a plus que des serviteurs du roi, à commencer par ceux qu'il nomme pour faire tourner l'appareil de l'État, les ministres, les grands commis, les hommes du contrôle général des finances, de la guerre ou des affaires étrangères. L'autre moitié est faite des familles nobles qui font au roi de France un brillant entourage d'illustration et de bonnes manières. Versailles est une revanche de la Fronde, cette révolte du royaume qui avait assombri l'enfance du grand roi au milieu du XVIIe siècle. À Versailles, tout est ordre, non seulement le gouvernement, mais le luxe, l'art, les fêtes, le faste, ordonnés autour de la personne du roi, dont la vie quotidienne, le lever, le dîner, la promenade, le souper, les divertissements du soir, rythme à chaque instant cette représentation de la monarchie française que constitue le grand château. Ma muse, obéissez-moi. Il faut ce matin, sans remise, aller au lever du roi. Vous savez bien pourquoi. Et ce vous est une honte de n'avoir pas été plus prompte à le remercier de ses fameux bienfaits. Mais il vaut mieux tard que jamais. Gardez-vous bien d'être en muse bâtie. Un air de muse est choquant dans ces lieux. Il y faut les objets à réjouir les yeux. Vous devez en être averti. Et vous ferez votre cour beaucoup mieux lorsqu'en marquis vous serez travesti. Mais surtout, je vous recommande le manteau d'un ruban sur le dos retroussé. Avec vos brillantes hardes et votre ajustement, faites tout le trajet de la salle des gardes. Vous peignant galamment, portez de tous côtés vos regards brusquement, et ceux que vous pourrez connaître, ne manquez pas d'un haut ton de les saluer par leur nom, de quelque rang qu'ils puissent être. Cette familiarité donne à quiconque en use un air de qualité. Grattez du peigne à la porte de la chambre du roi, ou si, comme je prévois, la presse s'y trouve forte, montrez de loin votre chapeau, ou montez sur quelque chose pour faire voir votre museau, et criez, sans aucune pause, d'un ton rien moins que naturel, « Monsieur l'huissier, pour le marquis un tel !» Jetez-vous dans la foule et tranchez du notable. Pressez, poussez, faites le diable pour vous mettre le premier. Tenez toujours ferme là. Quand vous serez entré, ne vous relâchez pas. Pour assiéger la chaise, il faut d'autres combats. Prenez le parti, doucement, d'attendre le prince au passage. Mais les grands princes n'aiment guère que les compliments qui sont courts. Et le nôtre surtout a bien d'autres affaires que d'écouter tous vos discours. La louange et l'encens n'est pas ce qui le touche. Dès que vous ouvrirez la bouche pour lui parler de grâce et de bienfaits, il comprendra d'abord ce que vous voulez dire, et se mettant doucement à sourire, il passera comme un trait. Et cela vous doit suffire. Voilà votre compliment fait. Pourtant, le royaume de France ne tient pas tout entier dans cette image de souveraineté solaire que construit Louis XIV dans son château incomparable. Il est constamment en guerre avec les voisins. Au nom de la querelle déjà séculaire entre les Bourbons et les Habsbourg pour la prépondérance européenne. La pression fiscale a crû, des impôts nouveaux sont nés, et la nature dans les dernières années du règne a ajouté sa contribution d'hiver très froid à de mauvaises récoltes. La monarchie absolue, qui a éteint tous les anciens pouvoirs locaux, parlement, état, ville, province, a découvert soudain le prix de sa splendeur à Versailles, c'est qu'elle s'est isolée de la nation. L'unité parfaite dont elle veut donner une image si splendide, elle ne l'a obtenue aussi en matière religieuse que par la persécution et le viol des consciences. Le royaume de France avait sa minorité protestante, qui avait reçu à la fin du XVIe siècle d'Henri IV et de l'Édit de Nantes la liberté de culte. Louis XIII et Richelieu avaient entrepris ensuite de revenir sur le compromis de 1598.
Louis XIV continue leur entreprise, lui qui déteste l'hérésie pour des raisons à la fois politiques et religieuses. L'Église catholique le soutient et le presse, et dans les régions protestantes, le petit peuple catholique donne la main aux persécutions par les envoyés ou les soldats du roi. La révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau en 1685 est suivie par l'émigration de 200 000 huguenots et la dure guerre civile des Cévennes. Que l'unité du royaume soit celle du despotisme, l'affaire janséniste le montre aussi. Dans les messieurs de Port-Royal et dans les religieuses groupées autour de la mère Angélique Arnaud, Louis XIV voit encore des adversaires potentiels de son autorité absolue. Ainsi, le plus grand roi de la terre a-t-il légué à ses héritiers non seulement un royaume plus grand, plus moderne et mieux administré, mais aussi une tradition d'arbitraire et de violence qui laisse également ses traces profondes. À qui veut comprendre à quel point l'absolutisme a bouleversé la tradition de la monarchie même, il suffit de lire l'édit de 1714, si critiqué par le duc de Saint-Simon, et par lequel le vieux roi faisait entrer ses fils bâtards dans l'ordre de succession au trône, au mépris des lois fondamentales du royaume. Quand il meurt l'année suivante, le même Saint-Simon lui fait cette oraison funèbre. Ce fut un prince à qui on ne peut refuser beaucoup de bons, même de grands, en qui on ne peut méconnaître plus de petits et de mauvais, duquel il n'est pas possible de discerner ce qui était de lui ou emprunté. Né avec un esprit au-dessous du médiocre, mais un esprit capable de se former, de se limer, de se raffiner, d'emprunter d'autrui sans imitation et sans gêne, il profita infiniment d'avoir toute sa vie vécu avec les personnes du monde qui toutes en avaient le plus, et des plus différentes sortes, en hommes et en femmes, de tout âge, de tout genre et de tout personnage. Dimanche 1er septembre 1715, à 8h du matin, Louis XIV meurt, à 77 ans, après un interminable règne de 72 ans. C'est son arrière-petit-fils à qui échoit le trône, mais il n'est âgé que de 5 ans et demi. En attendant sa majorité, c'est le neveu de Louis XIV, le duc d'Orléans, qui assure la régence. Lourd héritage, s'il est aussi glorieux, les caisses de l'État sont vides. Nous avons trouvé le domaine de notre couronne aliéné, les revenus de l'État presque anéantis par une infinité de charges et de constitutions, les impositions ordinaires consommées par avance, les arrérages de toutes espèces accumulés depuis plusieurs années, le cours des recettes intervertis, une multitude de billets d'ordonnance et d'assignations anticipées,
de tant de natures différentes et qui montaient à des sommes si considérables qu'à peine en peut-on faire la supputation. Il y avait 185 millions d'arriérés et la dette publique dépassait 2 milliards sans y comprendre même le capital des nombreux offices créés pendant cette désastreuse fin de règne. La mort de Louis XIV ouvre, avec le XVIIIe siècle, une période de réaction contre le pouvoir despotique du roi mort. Signe que la monarchie absolue n'a eu que de brefs beaux jours. Le pouvoir n'est plus à Versailles, mais à Paris, au Palais Royal, chez le duc d'Orléans. Non plus chez le roi de France, trop jeune pour régner, Louis XV a 5 ans, mais chez le neveu de Louis XIV, qui exerce l'intérim de la régence, personnage intelligent, esprit curieux, cultivé, mais sans moralité et sans énergie politique. Il est l'instrument de la revanche des parlements, ces grandes cours judiciaires du royaume, à qui il rend leur droit de remontrance avant d'enregistrer un édit, et de l'aristocratie qu'il organise en conseil de gouvernement. La France est déjà un pays relativement riche si on la compare à l'Europe de l'époque. Les affaires, le grand commerce international, la prospérité des ports atlantiques reprennent sous la régence un essor interrompu par l'interminable guerre de succession d'Espagne qui avait assombri la fin du règne de Louis XIV. Ce sont les finances déjà qui sont le talon d'Achille de l'État. L'expérience d'une banque émettant des actions destinées à éteindre la dette publique n'aboutit qu'à discréditer pour longtemps le papier monnaie. Quant aux mœurs et aux élites du royaume, c'est le régent lui-même qui les discrédite dans l'opinion. Louis XV règne à partir de 1723, quittant les Tuileries où l'avait installé le régent pour fermer la parenthèse, réintégrer Versailles, retrouver avec les souvenirs l'autorité de son arrière-grand-père. Il bénéficie de la cote d'amour des souverains qui succèdent aux incertitudes d'une régence et ramènent avec eux une monarchie à la fois rajeunie et réincarnée. Le malheur est qu'il a du mal à la réincarner, non par manque de qualité d'esprit ou de jugement, mais à cause de la pente neurasthénique de son caractère. Le jeune Louis XV a rendu à ses sujets l'image d'une royauté aimable, charmante même. Personne n'a découvert encore qu'il répugne à emporter le formidable poids. Le royaume va traverser le siècle sur sa lancée de 1715, croissance des richesses matérielles et des audaces intellectuelles, âge d'or de la civilisation et des lumières, revanche aussi de la ville sur la cour. Cette société que le pouvoir royal a morcelée en privilèges et en castes, voici que la culture d'époque l'unifie. Elle fait naître un immense pouvoir à deux têtes qui est parvenu jusqu'à nous, l'opinion publique et son lieu de prédilection, Paris. La monarchie, les ordres, les corps ont séparé les élites en les isolant dans des bastions rivaux. Une des grandes originalités du XVIIIe siècle français dans l'histoire européenne, c'est la place qui ont pris ceux qu'on a appelés les philosophes dans la formation de l'esprit public et sur la scène politique. Le phénomène offre un violent contraste avec le siècle de Louis XIV. Au XVIIe siècle, il n'y a pas un seul grand esprit qui intervienne dans les affaires publiques. Au XVIIIe, pas un seul qui s'abstienne d'intervenir. La philosophie des Lumières inaugure ce rôle prophétique dont les intellectuels français ont conservé la tradition dans les deux siècles qui ont suivi. Il suffit pour le comprendre de se situer au milieu du siècle, autour de ces années 1750, où paraissent l'esprit des lois, le discours sur les sciences et les arts, l'essai sur les mœurs, l'encyclopédie. Montesquieu a fait la critique des pouvoirs incontrôlés au nom des libertés anglaises. Voltaire ne cesse de combattre l'intolérance et l'Église. Rousseau fait déjà entendre sa voix solitaire de critique du progrès.
et l'encyclopédie sous la direction de Diderot a l'ambition d'être un manifeste collectif des idées nouvelles sur les arts, les sciences et le développement des sociétés. Y a-t-il donc une pensée du siècle? Oui, l'esprit de réforme, divers bien sûr, multiples et même contradictoires. L'État éclairé mais autoritaire qu'imaginent les physiocrates et Voltaire n'est pas l'État éclairé et libéral de Montesquieu, encore moins la démocratie égalitaire de Rousseau. Mais même les polémiques internes, nées de la pluralité des courants et des milieux, nourrissent l'esprit du siècle et traduisent les nouveaux besoins affectifs et intellectuels, la raison, le bonheur, la tolérance. La philosophie a rencontré l'opinion publique, cette nouvelle puissance du monde. Témoin par exemple l'affaire Callas. Elle est née d'un fait divers. Le 13 octobre 1761, Marc-Antoine Callas, fils de Jean Callas, marchand de toiles peintes à Toulouse, a été trouvé pendu à une porte au domicile familial. La famille est protestante. De tempérament mélancolique, Marc-Antoine s'est, selon toute vraisemblance, suicidé. Mais court aussitôt dans la ville le soupçon d'assassinat qui, de fil en aiguille, entraîne une instruction judiciaire au terme de laquelle le père Callas est condamné à mort, mis à la question et exécuté dans les conditions affreuses du temps. Le corps brisé à coups de barre de fer, il meurt ensuite sur la roue. Voltaire, d'abord, ne croit pas à une injustice de la justice royale. Il n'aime guère mieux, d'ailleurs, les protestants que les catholiques. Mais il se met à conduire son enquête et en 1763, il est sûr de l'innocence de Callas. J'ose être sûr, écrit-il, de l'innocence de cette famille comme de mon existence. Excellent procédurier, il n'a cessé de plaider toute sa vie et il obtient la cassation de la sentence du Parlement de Toulouse le 4 juin 1764. L'année suivante, la mémoire de Jean Callas était réhabilitée. La famille Callas est devenue célèbre dans le royaume, elle est reçue par la reine et les ministres, acclamée partout à Paris. Louis XV est sans pouvoir sur cette effervescence d'idées, souvent relayée par les parlements, qui bravent l'autorité du roi sur la question fiscale et sur les affaires religieuses. Louis XV a hérité et conservé de Louis XIV sa conception de l'autorité absolue du roi. Il la réaffirme par exemple en 1766, au Parlement de Paris, dans sa déclaration célèbre, lue dans la fameuse séance dite de la flagellation. Versailles a conservé intacte sa splendeur, mais le roi gouverne de moins en moins même sa cour, tiraillé entre le clan dévot, dominé par sa propre famille, et les amis de sa maîtresse, la marquise de Pompadour, qui penche du côté des philosophes. Les dernières années de son règne sont aussi tendues que celles de son arrière-grand-père. La France, vaincue dans la guerre de 7 ans, 1756-1763, doit céder à l'Angleterre l'essentiel de son premier empire colonial. Entre 1770 et 1774, date de sa mort, Louis XV livre sa dernière bataille contre les parlements. Mais il cherche en vain à ressusciter Louis XIV. Paris l'accuse de despotisme. C'est dire en ces années sa solitude. Quand il meurt le 10 mai 1774, il est si perdu dans l'opinion qu'il faut l'enterrer de nuit comme à la sauvette. Paris n'a pas prié pour le salut du roi. Michelet fixe à ces jours-là la mort de la monarchie dans le cœur des Français. Thank you.
À Louis XV succède son petit-fils, qui n'a que 20 ans, Louis XVI. Les rois sont toujours difficiles à déchiffrer, séparés qu'ils sont du commun des mortels par l'appareil qui entoure leurs personnes et leurs fonctions. Ils possèdent de ce fait une personnalité apprise, ajoutée à leur fond de caractère. Louis XVI n'échappe pas à la règle, héritier du lourd cérémonial de cour instauré par son grand ancêtre Louis XIV. En plus, sa mémoire est chargée de passions presque trop lourdes pour elle, à cause des années tragiques de la faim et de sa mort sur l'échafaud. Roi qui a trahi la nation pour les républicains, il est le roi martyr de la tradition monarchiste. Quand il devient roi de France à 20 ans, en 1774, il est marié depuis 4 ans à une archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette, fille de Marie-Thérèse. Mariage qu'il a du mal à consommer, au grand étonnement de son libidineux grand-père et sous le regard sans pitié des courtisans. L'enfant solitaire, devenu un jeune homme un peu gauche, déjà lent et lourd, n'est pas porté vers l'amour et les femmes. Mais même ses vertus privées, chose nouvelle chez un roi de France, ne sont pas versées à son crédit, puisqu'elles ont commencé par être ridicules. Pourtant, le jeune roi, qui a reçu une assez bonne éducation, est plein de bonnes intentions. Il s'entoure d'un vieux ministre disgracié de Louis XV, Maurepas, et signe bientôt la nomination de Turgot au contrôle général des finances, inaugurant son règne par l'éclat d'un ministère de réforme. Le malheur est qu'il n'a pas la volonté de ses intentions, faute d'un vrai goût pour le pouvoir qui lui est échu. Doté de beaucoup de qualités privées, il n'a pas de talent politique à une époque où la monarchie aurait besoin d'un Henri IV. Marie-Antoinette aggrave très vite ce handicap par l'impopularité dont elle est très tôt l'objet. Princesse peu instruite, aussi mal préparée que possible au rôle d'antenne de l'Autriche que sa mère Marie-Thérèse voudrait lui faire jouer à Versailles, sans point d'appui à la cour, elle a dû vivre au surplus ces longues années où tout Versailles s'interroge tous les matins sur ce qui s'est passé dans son lit, ou plutôt sur ce qui ne s'est pas passé. Commentaires innombrables qui passent très vite selon la pente du siècle, de Versailles à Paris, et qui prêtent bientôt à la reine, à défaut d'un mari, des amants et même des maîtresses. Quand les enfants viendront enfin, le mal est fait. L'image de l'Autrichienne est fixée dans les libelles parisiens, à cette reine sans intelligence des choses et des hommes, mais aussi déracinée, solitaire et sans appui. Le monde de Versailles a offert un rôle quasi impossible. Car en face de Paris, la cour figure déjà, quand Marie-Antoinette arrive en France, l'image de ce qui sera baptisé par 1789 l'Ancien Régime. D'instrument de domestication des nobles sous Louis XIV, la cour est devenue sous Louis XVI le symbole de leur revanche et de leur domination retrouvée. Le roi ne règne plus sur eux, il leur obéit. Quand Marie-Antoinette transporte ses favoris au Petit Trianon, elle crée une cour dans la cour, mais cette petite cour n'est plus qu'une coterie de privilégiés qui ont confisqué l'amitié de la reine pour en faire un objet de jouissance privée. C'est dans cette confusion spectaculaire entre la monarchie absolue et l'aristocratie que se fabrique le rejet global de ce qui n'est plus ni une monarchie absolue, ni une aristocratie, mais quelque chose d'intermédiaire, né de la décadence des deux principes et qui survit encore de leur complicité aux dépens du peuple. Louis XVI commence son règne par une expérience libérale. Il rappelle les parlements exilés par son grand-père et nomme au contrôle général Turgot, champion des idées nouvelles. Mais le réformisme rationaliste du nouveau ministre se heurte vite aux égoïsmes corporatifs de la société aristocratique, orchestrés d'ailleurs par les parlements restaurés. En 1775, une pénurie de blé
coïncide avec la liberté rendue au commerce des grains. En face des résistances, le jeune roi abandonne son ministre, donnant le premier signe, qui allait être suivi de tant d'autres, de son manque d'esprit de suite. Mais le nouveau règne se présente aussi sous des auspices plus heureux. La France de cette époque reste dominée par une économie agricole vulnérable au hasard du climat et une population soumise encore au risque de famine et d'épidémie. Mais elle est sortie depuis le milieu du siècle des crises les plus graves. La France est passée de 20 à 27 millions d'habitants entre Louis XIV et Louis XVI. L'État continue son œuvre de modernisation hospitalière, éducative, urbanistique, militaire. Les grands ports français de l'Atlantique conservent tous les traces superbes des grands travaux de cette époque. Les transports ont diminué de moitié en durée au cours du siècle. Les mœurs politiques se sont adoucies. L'idée de tolérance a gagné la partie sous la monarchie absolue. La persécution des protestants a pris fin quand Louis XVI accède au trône et un édit de 1787, préparé par Malesherbes, accorde la liberté du culte aux anciens hérétiques. Les juifs du sud-ouest sont assimilés à travers la culture des Lumières et l'administration royale envisage d'étendre la tolérance à l'ensemble des communautés. Autre versant heureux de ce début de règne, et même glorieux celui-là, la guerre d'Amérique et la revanche prise sur les Anglais du traité de Paris, 1763, par la paix de Versailles, 1783. Dès 1776, la volonté d'indépendance des colonies américaines s'est drapée dans des déclarations des droits qui séduisent l'opinion française. Patriotisme et philosophie marchent la main dans la main, et un bureau américain installé à Versailles a enrôlé tout de suite des volontaires aux noms illustres, Lafayette, Noailles, Ségur. En s'alliant à la jeune République américaine en 1778 et en l'aidant à triompher, Louis XVI a redonné du lustre et de la popularité à la monarchie au prix vraiment lourd d'un creusement de la dette publique. La grande différence avec le passé, c'est que l'esprit du temps n'est plus à Versailles. Il est à Paris, là où se forme l'opinion, ou encore, pour emprunter un mot à l'époque, le tribunal de l'opinion. Dans les sociétés de pensée, les loges, les innombrables endroits où on refait une bonne société, libérée de son passé gothique, comme on dit à l'époque, et de ses préjugés aristocratiques. Par exemple, au Palais Royal, où le duc d'Orléans abrite bien des conciliabules malveillants pour Versailles, la reine, les frères du roi, sinon lui-même. Pour prendre la mesure de ses sentiments et de ses passions, il n'est que d'écouter Beaumarchais. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? N'y a-t-il rien de plus bizarre que ma destinée? L'aristocratie, toute la condamnation de ce qu'on va appeler bientôt l'Ancien Régime, tient dans ce simple mot, discréditant un monde de pratiques, de coutumes, de mœurs et de consentements. Ce qui est en cause, c'est à la fois ce qui reste de l'époque féodale, des droits seigneuriaux qui n'ont plus de contrepartie politique, et qui, même quand ils ne sont pas lourds en valeur absolue, sont ressentis comme d'autant plus insupportables. Et c'est la castification de la société par la monarchie, toujours avide de vendre des privilèges. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours. Que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Et qu'il n'y a que les petits hommes
qui redoute les petits écrits. Et que pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique. Et croyant n'aller sur les brisées d'aucun autre, je le nomme « Journal inutile ». Louis XVI saura-t-il, voudra-t-il séparer la royauté de l'aristocratie ? L'avenir de la vieille monarchie se joue là. Du lieu de domestication de l'aristocratie qu'elle a été au XVIIe siècle, la cour de Versailles est donc devenue le symbole de l'asservissement de la monarchie à la noblesse. On mesure à cette inversion les démissions des successeurs de Louis XIV devant les clans et les intrigues de cour. Versailles jette ses derniers feux, plus brillants que jamais, mais il ne laisse voir à l'opinion que l'autodestruction d'un monde séparé de la nation. La crise finale se joue sur la question financière, endémique depuis la fin du règne de Louis XIV, aggravée par la guerre d'Amérique. La réforme fiscale a touché à chaque tournant politique du XVIIIe siècle le problème social d'ensemble, puisque modifier l'assiette de l'impôt conduisait à toucher aux privilèges garantis par le roi, notamment à la noblesse. Il n'en va pas autrement entre 1787 et 1789. Necker a déjà été appelé aux finances après Turgot. Mais faute de pouvoir s'attaquer à une réforme fiscale, le banquier suisse n'a pu que moderniser la gestion financière et, quant au reste, multiplier les emprunts. Cet homme d'affaires protestant, père d'une fille appelée à devenir célèbre sous le nom de Madame de Staël, s'est fait une popularité dans l'opinion. Philosophe de la monarchie à l'anglaise, en même temps qu'habile manieur d'argent, il est à la fois l'homme des débats d'idées et l'idole du vaste peuple des rentiers parisiens. Renvoyé en 1781 par le roi, il sera rappelé comme le sauveur en 1788. La crise décisive s'est nouée en 1787, quand Louis XVI et son ministre Calonne, en face de l'échéance de la banqueroute, rassemblent une assemblée des notables du royaume pour faire passer dans l'opinion une vaste réforme fiscale. L'affaire échoue, mais elle laisse la monarchie, qui est à la recherche urgente de nouvelles ressources, en face d'une opposition générale des parlements, dans l'effervescence croissante des villes du royaume. Dès juillet 1787, le Parlement de Paris a réclamé des États généraux, seuls habilités à consentir de nouveaux impôts. La monarchie absolue joue désormais son existence. L'émeute gagne toutes les villes de Parlement, particulièrement violentes, là où elle a couvé pendant tout le siècle, en Béarn, en Bretagne et en Dauphiné. À Grenoble, le Parlement protestataire est exilé par le duc de Clermont-Tonnerre qui commande la province. Au jour fixé du départ des magistrats, le 7 juin 1788, le tocsin sonne et rassemble une ville déjà pleine de monde, car c'est le jour du marché. Les villages de la montagne alentour descendent prêter main forte. Les soldats de Clermont-Tonnerre sont lapidés par les tuiles jetées par les émeutiers grenoblois du haut des toits. L'insurrection est si violente que le représentant du roi capitule et laisse le Parlement se réinstaller. À la fin de juillet, les trois ordres du Dauphiné siègent à Vizille, près de Grenoble, dans le château du négociant Perrier. Réunis ensemble, leurs députés votent le refus des impôts, jusqu'à un consentement donné par les États généraux. Les États généraux sont devenus inévitables. Le roi les convoque le 8 août pour le 1er mai de l'année suivante, 1789. De cette institution consultative, les procédures ne sont pas fixées par des règles canoniques. Mais la tradition veut que les États siègent par ordre, clergé, noblesse, tiers-état,
avec un tiers de représentants pour chaque ordre. La noblesse et les parlements inclinent vers le respect de cette espèce de règle. Mais le tiers-état excipe de l'exemple de vizir. Il s'agite, il prend feu et flamme pour le doublement du nombre de ses députés et le vote par tête dans une seule assemblée. Derrière l'unanimité libérale s'avance l'idée d'égalité qui transforme toute la situation politique. Le roi, qui a rappelé Necker, accorde le doublement des représentants du tiers, mais tient sur le vote par ordre séparé. Il donne ainsi d'une main ce qu'il annule de l'autre. Les élections ont lieu en mars et en avril. Le tiers-État vote sauf exception au suffrage universel. Tous les hommes de plus de 25 ans, la majorité de l'époque, sont appelés à élire leurs représentants et à leur donner des instructions strictes par des cahiers de doléances rédigés à chaque niveau du scrutin, de la paroisse au chef-lieu de bailliage. On est loin de connaître dans le détail tous les tenants et aboutissants de la grande effervescence politique des 6 ou 7 mois qui séparent la convocation des États généraux de l'élection des députés. On connaît les textes plus que les hommes mieux que leurs intrigues. Le mouvement pour le doublement du tiers-État et le vote par tête a mobilisé beaucoup d'énergie militante. Il a cristallisé ce qu'on appelle déjà le Parti national. On dit aussi le Parti patriote, groupant tiers-État éclairé et noblesse libérale, appuyé sur les loges franc-maçonnes et les clubs qui se multiplient. On trouve à la tête du mouvement, à côté de jeunes écrivailleurs encore inconnus comme Brissot, des parlementaires ralliés à la cause du tiers-État comme le jeune Duport, et plusieurs héritiers des plus grands noms du royaume, Talleyrand, Lafayette, le duc de La Rochefoucauld. Les événements provinciaux ont révélé de jeunes talents, comme celui de l'avocat Barnave à Grenoble, un des leaders de Vizy. À Aix, en Provence au contraire, c'est à un des fils les plus violents de la province que les événements donnent enfin un rôle à sa mesure. Mirabeau s'est colleté sans répit avec les juges, les argousins, les puissants de l'ancienne société. Les États généraux lui offrent la chance de sa vie, mais dans les rangs du tiers-État d'Aix. À Paris, au Palais Royal, il n'est que du pamphlet publié en janvier 1789 par un autre quadragénaire, prêtre celui-là et non noble, l'abbé Sieyès. Lui a mûri dans les livres et non dans les scandales, son ressentiment contre la société aristocratique. Qu'est-ce que le tiers-État, paru en janvier 1989, donne à cette passion nationale son éloquence révolutionnaire en même temps que sa philosophie politique. À l'effervescence politique des classes éclairées, la crise économique ajoute son effet en mobilisant les classes populaires contre les hauts prix du pain qui atteignent des niveaux records. Le peuple est en éveil un peu partout. Les élections ont atteint au plus profond du tissu social. Elles ont ouvert les Français à une espérance politique immense, au moment où la situation sociale est dramatique, donnant à la révolte endémique des pauvres l'occasion unique d'un investissement quasi religieux dans le rôle des prochains États généraux. À Paris, tout est sur le qui-vive, mais le peuple est maître de la rue déjà. En avril, celui du faubourg Saint-Antoine pille et incendie la fabrique d'un grand marchand de papier du nom de Réveillon, sous le prétexte que celui-ci aurait dit que ses ouvriers étaient trop payés. Encore l'émeute est-elle maîtrisée ce jour-là par la police du roi, mais c'est la dernière fois. À partir de là, la foule est maîtresse de Paris, fraternisante avec les soldats, dans une attente passionnée des nouvelles des États généraux. Ainsi, dans les premiers jours de mai 1789, la vieille monarchie française se trouve en face d'un nouveau pouvoir qu'elle a constitué elle-même pour lui demander le conseil de la nation en des circonstances difficiles. Ces États généraux, un peu plus de 1100 députés, dont la moitié du tiers-État, ont donc été élus par ordre selon la procédure traditionnelle de la société aristocratique. Mais sous l'apparence d'une assemblée conforme aux traditions de la monarchie française, les États généraux de 1789 offrent un spectacle
en réalité entièrement nouveau. Le pays tout entier cherche depuis bientôt un siècle une instance à travers laquelle il puisse faire entendre sa voix. La vieille idée du mandat impératif est d'autant plus fragile enfin que les cahiers de doléances font très largement passer un langage national qui donne aux États des missions inédites. Faire une constitution à la monarchie, voter l'impôt, établir la liberté et l'égalité des individus, réformer la justice. Rien n'est directement dirigé contre Louis XVI. Mais puisque la monarchie a mêlé dans la convocation des États le principe aristocratique et le principe démocratique, tout indique en mai 1789 qu'elle devra faire un choix historique entre les deux pentes que lui offrent son histoire et son temps.